Nous sommes ici à la place Figayo de Yopougon. Vous pouvez le constater juste derrière moi. Tout type de véhicules, mini baka, car, VTC, taxi-compteur, se sont tous mobilisés pour mener cette campagne de sensibilisation pour la réussite de la CAN 2023. Supporteur un jour, supporteur toujours. On a engagé pour soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. Parce que la boucle à papa, ça reste en Côte d'Ivoire ici cette année-là. Ce matin, la grande famille du transport va faire une caravane pour dire bonne arrivée à nos invités et pour dire aux gens que les transporteurs sont déjà prêts pour accueillir les invités. Ce matin, nous sommes rassemblés dans le cadre de l'organisation de cette grande caravane des transporteurs et des conducteurs routiers de Côte d'Ivoire. Vous savez bien que bientôt, la Côte d'Ivoire va accueillir la grande compétition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. À cet effet, toutes les couches socio-professionnelles sont sollicitées en vue de sonner la mobilisation. Ce matin, les transporteurs dans leur ensemble se sont réunis pour organiser une grande caravane avec toutes les composantes des modes de transport pour donc sillonner le Grand Abidjan. Il s'agit pour nous aujourd'hui de sonner la mobilisation pour que véritablement les transporteurs, les autres populations ivoiriennes puissent se lever, puissent se mobiliser pour que la fête soit continue tous les soirs, tous les jours, pour que véritablement notre pays puisse montrer au monde, à l'Afrique, que nous avons accueilli un grand événement et que nous sommes heureux de l'organiser. Nous sommes prêts en ce qui concerne les transporteurs. Plus de 1000 autocars sont mobilisés pour le transport des populations ivoiriennes et des populations qui viendront des autres pays. Plus de 20 000 taxis communaux et compteurs et VTC sont mobilisés pour donc assurer le transport en urbain comme en interurbain, sans compter les minicars communément appelés les bakas et autres. C'est vous dire aujourd'hui qu'en termes de comportement, en termes de respect des dispositions sécuritaires, nous avons tout mis en œuvre pour que véritablement les gens qui vont venir en Côte d'Ivoire partent de ce pays avec une belle image. Que
nous a motivés à venir participer à ça, c'est de donner une bonne image de la Côte d'Ivoire aux étrangers qui viendront pour la CAN. Et nous sommes très contents vraiment de participer à cette campagne de sensibilisation. Nous demandons à ce que les chauffeurs vraiment donnent une bonne image de la Côte d'Ivoire, une bonne image, une image positive, qui vendent bien l'image de la Côte d'Ivoire.